Coucou et bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Vierges du 27 au 3 décembre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée, donc vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette même chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager, surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle Sacré-Cœur, l'oracle de la Triade, l'oracle de l'Amour et l'Améthyste Love. Et bien sûr, on ira chercher vos messages de la semaine avec le petit oracle de l'âme sœur. Quant au tableau, on reste sur le tableau de 12 cartes avec 3 cartes pour votre état d'esprit, 3 cartes pour l'état d'esprit de votre hôte, 3 cartes pour les difficultés de la relation et 3 cartes pour la relation à venir. Donc, on y va, c'est parti. Donc, pour les Vierges, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 27 au 3 décembre. Donc on va aller également voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes de cette semaine. Allez, c'est parti. Donc pour les Vierges, ascendant, lunaire, vénusien, pour la semaine du 27 au 3 décembre, s'il vous plaît. Alors, on a le désir, l'envie et la passion qui revient. Ok. Bon, on voit qu'il y a de la rivalité, en tout cas, il y a de la jalousie hein, qui est là. Mais il faut vraiment laisser votre désir et votre passion s'exprimer envers la personne de votre cœur. On voit qu'il y a un décalage énergétique hein, sur lequel il va falloir prendre du recul pour pouvoir axer ce nouveau départ et laisser cette énergie tierce. Hein. Donc énergie tierce qui n'est pas forcément une personne, mais qui peut également être un trauma, une peur, où il y a quelque chose comme ça. Donc si vous passez vraiment au-dessus, hein, si vous prenez du recul par rapport à ces peurs-là, vous pourrez acter ce nouveau départ. On parle d'un nouveau départ où vous prenez la décision d'avoir des bases solides finalement. Donc on me parle d'une distance. Il y a peut-être une distance avec une personne bélier, taureau ou gémeaux, ou également une distance qui aurait été prise sur la période du printemps. Donc on voit que c'est une fin de cycle et là vous allez avoir des moments un peu plus cocooning, des moments un peu plus sympas avec votre autre. Allez, donc on y va pour les Vierges, ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 27 au 3. Donc quel est votre état d'esprit? L'état d'esprit de votre autre, pour les Vierges, ascendant, lunaire, vénusien, pour la semaine du 27 au 3, s'il vous plaît. Ah ben, ça ne peut pas. Allez, Vierge, ascendant, lunaire, vénusien, du 27 au 3. Pour les difficultés de la relation. Et pour la relation à venir. Alors en dos, qu'est-ce que nous avons? On a encore hein, ce décalage. Ce petit décalage énergétique sur lequel il faut travailler hein, par rapport à un triangle amoureux où il y a eu beaucoup, beaucoup de ruptures. On voit qu'il y a le retour, hein, le retour d'un ex ou d'une ex avec une très belle évolution. Moi, j'ai une personne qui trouve des solutions aux obstacles et aux difficultés qu'il peut y avoir dans votre relation. Et on voit bien ici hein, qu'il y a cette transformation, ce changement inattendu qui fait que vous pouvez repartir sur des bases un peu plus solides. Ok, donc...
Votre état d'esprit, les vierges. Donc, on va avoir une invitation. On vous invite à sortir. Hein. Ouais, pour moi, on vous invite vraiment à sortir un peu de cet enfermement dans le fait que vous n'arrivez pas à exprimer vos sentiments. Vous avez du mal à ouvrir votre cœur. Pour moi, c'est une invitation à vous ouvrir. Hein, vraiment à avoir des confidences l'un pour l'autre. Alors, on va les recouvrir. Ouais, il y a des flashs, hein. Vous commencez à avoir des souvenirs, des choses qui vous reviennent hein, par rapport à la relation et on voit que vous prenez conscience que finalement ce sont vos doutes, vos peurs qui fait que la relation a du mal à avancer. Mais effectivement, moi j'ai quelque chose qui va évoluer, hein. Il y a une évolution. Donc pour l'état d'esprit de votre hôte, moi j'ai quelqu'un qui se rapproche, hein. Ouais. J'ai quelqu'un qui est dans une énergie un peu plus positive, une personne là qui va être en aide, en soutien avec vous, en tout cas qui va vous apporter quelque chose qui va vous permettre de vous rapprocher, d'avoir une complicité, d'avoir quelque chose de plus neutre, de plus simple. Ok, on va donc recouvrir. Allez, donc, pour les vierges ascendant lunaire. Alors. Voyez, encore une fois, on a ce décalage hein, énergétique qui est là. Donc pour moi, vous devez vraiment travailler sur la complicité, le rapprochement, l'aide, le soutien mutuel finalement. Ok. Alors, Vierge ascendant, lunaire, vénusien. Il y a la communication. Vous devez communiquer avec votre hôte. Hein. En fait, le fait de communiquer avec la personne de votre cœur, ça va vous permettre vraiment de trouver des solutions pour apaiser, en fait, j'ai envie de vous dire, pour réduire le décalage énergétique. Alors, ensuite, dans la relation, alors il y a des étapes à franchir, mais pour pouvoir franchir ces étapes, vous devez faire une mise au point. Donc, vous devez aussi parler de vos peurs. Vous avez peut-être peur que cette personne profite de vous ou que cette personne pense que vous profitez, pardon, de lui ou d'elle. Donc, il y a cette étape à franchir. Donc, il y a vraiment une communication à avoir là. Hein. Alors, on va recouvrir encore une fois. Il y a quelque chose d'imprévu, d'inattendu. OK. Il y a quelque chose qui arrive. Hein. Il y a quelque chose qui arrive là pour vous, les vierges. On voit que finalement, vous êtes beaucoup dans le contrôle. Vous ne vous laissez pas les choses se passer. Vous avez du mal à laisser les choses évoluer à la vitesse qu'il est censé être. Vous avez envie d'accélérer les choses, mais ce n'est pas forcément très, très bon de vouloir accélérer les choses. Donc, on me parle là de la période du printemps. Donc, sur la période du printemps, pour moi, on met fin à des blessures ou des choses sur lesquelles il y a encore de l'emprise sur vous. Pour moi, ce sont des blessures, hein, ce sont des blessures, des peurs qui ont encore de l'emprise sur vous, mais vous mettez fin à ces peurs-là, vous mettez fin à ces doutes, et vous allez de l'avant, là, vraiment sur la période de l'automne. Hein. Donc, on revient sur le flirt, sur la séduction. On réapprend, en tout cas, à se séduire, à reflirter ensemble. Hein. Donc, effectivement, il y a des freins parce que vous êtes encore. Pardon. Vous êtes encore sur pris par vos peurs parfois, pris par vos traumas. Mais effectivement, moi j'ai quand même une atmosphère chaleureuse et détendue qui revient. On parle aussi de personnes bélier, taureau, gémeaux. Donc il y a quelque chose qui revient sur ça. On parle de séduction. Mais faites attention parce que du coup, il y a des obstacles qui sont là et pour moi qui sont juste des peurs. Hein. Donc il y a les choses qui vont évoluer de façon positive puisque vous allez trouver des compromis entre vous et votre autre, pour dépasser hein, cette. Vous voyez, on retrouve la stabilité sur cette énergie qui était négative. Donc, on vous demande de retrouver votre stabilité parce qu'on me parle vraiment qu'il y a peut-être eu de la violence ou de l'agressivité dans votre relation. Mais on fait le choix, tous les deux, je parle bien de tous les deux, vous faites un choix de solidité, pardon, ou de solidifier votre relation pour pouvoir aller vers cet amour inconditionnel et durable. Hein. D'accord? Donc, s'il y a pour certains vierges une distance actuellement, ne vous inquiétez pas, les choses vont s'améliorer ensuite. Hein. Pardon. Donc, on va aller voir avec l'oracle de la triade. Allez, c'est parti. Donc,
Pareil, on va aller voir à la coupe pour voir les énergies dominantes avec la triade. Donc, pour vous les vierges, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 27 au 3. Oups, on a encore la fin de cycle qui est là. Vous voyez, on a envie de mettre fin aux doutes, aux peurs, aux traumas. Tout ça, on veut vraiment y mettre fin. Alors, on a l'accomplissement. Bon, malgré des erreurs, hein, donc pour moi, effectivement, vous faites des erreurs. Hein, mais il y a pas, c'est pas que vous ou que votre autre. Il y a eu des erreurs de fait des deux côtés, je pense, qui a amené hein, peut-être votre autre à vous mentir sur une potentielle adversité ou vous à mentir sur une potentielle adversité. Je pense également qu'il y a peut-être eu de l'adversité entre vous. Vous avez joué sur des choses, vous avez peut-être dit des choses que vous pensez que votre autre voulait entendre. Par peur de rejet ou par peur d'être abandonné, vous avez peut-être... mis un peu de positivité, entre guillemets, sur certaines choses négatives de votre vie. Donc, on voit quand même qu'il y a une transformation, il y a une officialisation. Les choses évoluent. Hein. Les choses évoluent. On va vers la richesse. Pour moi, effectivement, on va vers la richesse. Moi, j'ai une personne qui culpabilise, hein, qui est dans la culpabilité, dans la honte, et bien que votre relation soit scellée, finalement. Donc, on vous demande de prendre du temps pour vous, ne soyez pas dans le sacrifice. Et pour moi, il y a un vœu, un souhait qui va être exaucé d'une énergie positive qui arrive, hein, d'un changement d'énergie finalement. Ok, allez, on y va. Donc, pour les vierges. Ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 27 au 3. Allez, Vierge ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 27 au 3. Donc pour votre autre, pour les difficultés hein, qu'il y a dans votre relation. La relation à venir. Donc pour les vierges ascendants, lunaire, vénusien, pour la semaine, ok. Du 27 au 3. Donc voilà, vous trouvez des solutions. Hein. Vous trouvez des solutions pour être dans la réussite hein, de ce couple, de cette relation. On voit que vous allez apprendre de vos erreurs. J'ai vraiment envie de vous dire, vous allez apprendre de vos erreurs et finalement avoir une énergie un peu plus douce. Donc, on voit qu'il y a la protection hein, sur la relation et qu'il y a une renaissance. On va vraiment officialiser une relation, en tout cas cette relation. Pour moi, j'ai quelqu'un qui culpabilise et qui est dans la honte d'avoir dit des mensonges, d'avoir raconté des choses par rapport à son passé. Hein. Donc, les choses s'apaisent. Hein. Votre état d'esprit, donc on voit qu'il y a la tentation. Vous êtes tenté, hein. Vous voyez, vraiment, vous êtes tenté pour mettre fin à une situation qui est difficile. Vous êtes décidé à mettre fin à une adversité, hein, vraiment. Donc, l'état d'esprit de votre autre. Moi, j'ai quelqu'un qui ne veut pas sacrifier hein, la relation. J'ai quelqu'un qui fait un choix de communication. J'ai quelqu'un qui se retrouve vraiment dans un choix de vie entre son passé, son présent et son futur. Donc, il va y avoir beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Hein. Donc là, on a un homme... Moi, j'ai un homme hein, qui est prêt ou prête. Là, j'ai un homme, mais ça peut être une femme, donc c'est pour ça que je dis prêt ou prête. J'ai une personne qui est prêt ou prête à fusionner avec vous et à trouver son équilibre avec vous. Hein. C'est quelqu'un qui est prêt ou prête à faire des efforts, à officialiser la relation, à mettre fin aux difficultés, à la rivalité. Hein. Ok, donc bon, on vous dit hein, que votre relation est gravée dans le marbre. Donc, il y a un retour. Ben voilà, il y a un retour de lumière, hein, il y a un retour. Les choses vont vraiment s'apaiser. Hein. Moi, j'ai une relation qui... J'ai un retour sur une... Alors, comment je vais vous dire ça? J'ai un retour à la lumière sur votre relation. Votre relation va retrouver toute sa splendeur, j'ai envie de vous dire. Votre couple va briller. Ok. Donc, on va aller voir avec l'oracle de l'amour.
Alors, Vierge, donc on a déjà le frein. On évolue secrètement, chacun de son côté, vous évoluez, hein. Ok, donc Vierge, ascendant lunaire vénusien. Encore une fois, il y a eu des mensonges, des non-dits, hein, des choses qui ont été cachées, des vérités. Alors, j'ai envie de vous dire qu'il y a eu des vérités qui ont été. Comment je peux dire ça? On a dit des choses vraiment comme on avait envie, en fait. Comme, je ne sais pas comment je vais vous dire ça. On a enjolivé des choses. Ouais, on a enjolivé des choses. C'est ce qu'on me dit là. On a enjolivé des choses. Ok. Alors, on y va. Donc, Vierge ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 27 au 3. Donc, on va aller voir en dos ce qu'on a. On a l'alignement. Hein. Moi, j'ai quelqu'un là qui s'aligne. Enfin, entre ce qu'il pense, ce qu'il ressent et ce qu'il dit. Et ce qu'il fait, bien sûr. Donc, j'ai quelqu'un qui s'aligne avec lui-même ou avec elle-même et qui va enfin faire sa déclaration. Hein. On voit que cette personne a été instable parce qu'il ou elle a eu du mal à sortir de son ego. Et les choses se font. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ambition sur votre histoire, mais qui garde beaucoup de secrets en lui. Hein. Donc, il y a cette période de solitude. Il y aura ou il y a une période de solitude qui est nécessaire hein, pour laisser à cette personne le temps de venir dans l'engagement, pardon. Et on vous dit d'avoir confiance. Hein. Il y a des choses qui vont être bouleversantes pour vous. Donc, pour le moment, cette personne est bloquée parce qu'il est en train de travailler sur lui ou sur elle par rapport à des peurs, à des doutes. Hein. Donc, sur la triangulaire, on voit qu'il y a une réussite. Donc attention, hein, là on vous demande de sortir de vos illusions, vous vous mettez en autoprotection parce que vous faites des illusions, vous avez peur, hein. Vous êtes dans le contrôle mental. Hein. Ok, d'accord, on va aller voir ça. Allez, pour les vierges, ok, donc votre état d'esprit, les vierges, ascendant lunaire vénusien, pour la semaine du 27 au 3 décembre. On veut être dans la sincérité. Vous avez vraiment envie d'être dans la sincérité. Vous avez envie de vous ouvrir. Vous n'avez plus envie d'aller dans les mensonges et dans les non-dits. Ok. Alors, pour l'état d'esprit de votre autre, donc Vierge ascendant. Alors, je la mets en deuxième parce qu'il y en a une qui s'est ressortie ici. Ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 27 au 3. Ensuite, pour les difficultés de votre relation, ah, ça ne veut pas sortir. Alors, les difficultés dans la relation des vierges, s'il vous plaît. Ah, ça y est. Et pour la relation à venir. Le célibat heureux. Hein. Donc, votre état d'esprit, là, les vierges, on parle de vouloir créer sa réussite. Hein. En tout cas, vous avez envie de réussir dans cette relation où c'est le choix du destin. Vous avez vraiment envie d'acter un nouveau départ, un nouvel amour hein, sur cette histoire-là. Vous avez vraiment cette niaque, j'ai envie de vous dire. Hein. Donc, vous avez la capacité, en tout cas. Donc je vois que vous ne voyez pas toutes les cartes. Je vais voir pour PC. Voilà. Donc, vous avez la capacité, en tout cas, de créer cette réussite. Donc, il y a cette instabilité parce que vous manquez de confiance en vous. Donc, ça vous empêche de croire à vos ça vous empêche de croire en vos capacités. Alors. On parle vraiment d'être dans la sincérité. Hein. D'accord?
Soyez dans la sincérité, soyez vraiment aussi authentique que possible. Donc pour votre autre, moi j'ai quelqu'un qui a été pris dans une triangulaire et qui a été forcé finalement d'être dans la solitude. C'est quelqu'un qui a peur de l'engagement, qui a peur de réussir aussi, j'entends là, hein. De recommencer à zéro. Alors Vierge, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 27 au 3, s'il vous plaît. Moi, j'ai quelqu'un qui a peur de se faire des illusions. Cette personne est en train de se faire des illusions et est en train de laisser des peurs prendre le dessus. Mais effectivement, on a un changement. On va trouver son équilibre avec de la communication, hein. La communication est la clé de votre couple, hein. On a un changement où on va être heureux. Vous allez être heureux ensemble. Ok, donc dans la relation actuelle, on s'autoprotège, hein. Vous êtes dans l'autoprotection, vous avez du mal à communiquer, bien que vous ayez envie de faire une belle déclaration à cette personne, ou cette personne a envie de vous faire une déclaration. On est en autoprotection. Donc il y a des choses que vous bloquez, hein, avec cette autoprotection. Donc vous avez envie vraiment de suivre vos rêves. En tout cas, vous allez suivre vos rêves, hein. C'est ce qui va arriver. On parle vraiment de... Voilà, il y a un retour, hein, il y a un retour, ok. Il y a un retour, pour moi, il y a un retour en effet miroir. C'est-à-dire qu'une fois que vous allez penser au retour, peut-être que cette personne reviendra, ou au moment où cette personne espérera que vous reveniez, ben, vous allez revenir. Donc, vous allez pouvoir suivre votre rêve d'être ensemble, de construire ensemble en tout cas. Donc, dans un avenir prochain, vous allez vous réorienter là. Au niveau du travail, vous pourriez également travailler ensemble, hein. Vous allez vous mettre en retrait sur certaines personnes de votre entourage amical ou familial également. Vous allez vouloir atteindre votre projet de vie, votre projet de sentimental, j'ai envie de vous dire. Vraiment sentimental, là. Alors. Ouais, vous allez vraiment faire le tri, hein, dans des amis, dans de l'entourage. Pour pouvoir être dans l'entente, hein. Il y a un nouveau départ. Alors, un nouveau départ qui va évoluer secrètement, sur lequel il y a une réussite, hein. Donc, vous allez vraiment trouver des solutions pour mettre fin à des doutes. Et il y a la progression. Ok, il y a la progression. Alors, on va aller voir tout de suite avec l'améthyste love. Donc l'améthyste, je ne vais pas faire de coupe, on va tout de suite aller sur le tirage. Hein. Ok, allez, c'est parti. Oups. Alors, pour les vierges ascendants. Lunaire vénusien. Vierge ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 27 au 3, s'il vous plaît. Et hop. Pour l'état d'esprit de votre autre, donc les vierges ascendant lunaire vénusien, ok. Et pour la relation à venir. Il y a la toxicité, vous remportez, hein. Vous remportez sur les choses toxiques de votre relation et vous arrivez à acter ce nouveau départ. Donc pour moi, vous êtes dans un esprit où vous allez faire des choix, vous regrettez en fait, vous êtes dans les regrets, dans les remords d'avoir laissé des traumas, d'humiliation, aller au-delà. Ouais, vous regrettez d'avoir laissé vos peurs finalement et votre ego prendre le dessus sur votre relation. Donc finalement, on voit bien que vous travaillez sur l'ego, vous commencez à avoir de la sagesse et on voit bien que il y a ce nouveau départ qui va être très très beau, hein, florissant, j'ai envie de vous dire. On peut également me parler d'une personne bélier, taureau et gémeaux.
Donc pour cet homme, on voit que c'est un homme un peu plus jeune que vous, hein. Vous êtes dans la bienveillance avec lui, hein. C'est quelqu'un qui a saisi cette chance. Vous êtes comme une chance, hein, pour cette personne. Donc qu'est-ce qu'on a de plus? Eh ben oui, c'est quelqu'un qui a grandi auprès de vous, hein. Cette personne a grandi auprès de vous, c'est quelqu'un qui se transforme auprès de vous, hein. Donc on vous demande encore d'être patient, patiente, hein. Oups. Donc il y a une petite séparation. Ce n'est pas une séparation définitive. Je fais tout tomber, je suis désolée. Ce n'est pas une séparation qui est définitive, hein. C'est une petite séparation qui va vraiment vous amener à travailler, hein, sur l'évolution, sur votre évolution. Évolution personnelle, mais aussi évolution de couple. Ok. Donc, ah ben ça c'est magnifique, on va se libérer, hein. Vous êtes dans une relation karmique qui vous amène et qui vous demande de vous libérer, hein, des traumas du passé pour retrouver le calme et la sérénité dans cette histoire. Donc, on pourra parler de certains flammes jumelles, en tout cas pour certains vierges, vous serez en flammes jumelles, ou vous êtes en flammes jumelles. Donc, il y a tout un travail à faire, il y a tout un parcours à faire également, hein. Donc. Beaucoup de charnel, hein. Beaucoup d'instabilité due au charnel. Alors, peut-être parce que la relation n'est pas définie comme couple, par exemple. Mais on parle du passé, hein. Beaucoup d'instabilité par rapport à des personnes de la famille également, peut-être. On vous demande de vous. Là, en fait, vous devez vous détacher. Vous devez vraiment vous détacher par rapport à cette personne de l'entourage familial ou amical qui vous déstabilise. Vous devez prendre de la hauteur, hein, par rapport à cette personne-là, pour ne pas laisser cette personne entraver votre couple. Puisque c'est une personne qui est sans importance, finalement, hein. Donc, dans la relation à venir, pour moi, il va y avoir vraiment un détachement par rapport à un schéma répétitif. Vous avez envie, hein, de vivre cet amour qui est passionnant, cette relation qui n'est pas comme les autres, mais il va falloir faire un travail de détachement sur ces schémas répétitifs. D'accord? Donc, il y a encore un ghostage peut-être qui va arriver. Pas forcément un long ghostage, mais il y a un ghostage, une période de froid qui arrive, hein. Je peux parler de la période de l'hiver également. Mais il y a une protection. Ah ben oui, on me valide. Vous avez une protection. Alors là, ce sera les femmes vierges. Il y a une protection, hein, sur vous. Donc ne vous en faites pas. C'est vraiment pour vous amener à sortir de ce schéma répétitif. Il pourrait y avoir ici, dans les 3 prochains mois, donc dans la période de l'hiver, il pourrait y avoir encore une séparation qui va arriver, mais pour continuer encore ce travail de transformation. Donc ne vous en faites pas, parce que pour moi, il n'y aura pas forcément de longue séparation, de séparation définitive, hein. Alors. Je vais aller voir sur le ghostage et on ira ensuite voir. Je vais voir sur le ghostage et la période de froid et ensuite on ira voir en dos ce que nous avons et vos messages pour la semaine. Donc sur le ghostage, voilà. On va avoir un ghostage, hein, pour se remettre en question. C'est vraiment pour se remettre en question là, hein, par rapport à des blessures, à des traumas. Voilà, on veut tourner la page là sur les traumas, sur les traumas et les blessures, les peurs qui vous empêchent d'avancer. En fait, vous allez vraiment faire un travail sur votre ego, hein. Donc c'est très très bien. Donc il y a un événement rapide, donc on me parle d'une dispute, d'une période de crise par rapport à un homme peut-être plus âgé ou par rapport à de la malhonnêteté. Mais encore une fois, vous voyez, on restera encore une fois dans la loyauté, la fidélité et surtout la réconciliation. OK? Donc vous allez trouver peut-être injustice, injuste, j'ai envie de vous dire, pardon. Vous allez trouver ça injuste de passer encore une fois une période de crise, une période d'épreuve. Mais ce sont des périodes d'épreuves qui sont nécessaires, en tout cas, si vous êtes dans une relation de flammes jumelles, hein. Donc, vous aurez une invitation à vous éloigner d'une personne, hein. Personne qui vous a blessé, en tout cas, hein. Quelqu'un qui vous a blessé. Vous allez devoir pas vous en séparer, mais vous en éloigner. Ok. Donc, on va aller voir vos messages de la semaine. Donc, on y va. C'est parti. Allez, donc, Vierge, ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 27 au 3. Vierge, ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 27 au 3.
Eh bien, il y en aura quatre. Alors, l'amour est parfait d'un point de vue physique. Certaines relations peuvent sembler discutables, mais en prenant de la hauteur, elles sont toutes sacrées, chacune d'elles nous aidant à grandir dans l'amour et la sagesse. La vie est un cycle de saisons changeantes. Accueillons chacune d'elles à chaque renouvellement et abandonnons le passé avec grâce. Souvenons-nous que rien n'est jamais perdu, car tout existe dans notre cœur pour l'éternité. L'amour est expression du Dieu ou de la déesse qui coule en toi. L'amour est une union sacrée, immense puissance créatrice qui, grâce à la fusion de deux âmes, se transforme en exploration du divin. Et le dernier, afin de guérir ta relation avec autrui, tu dois d'abord guérir celle que tu entretiens avec toi-même. Pardonne-toi, accepte-toi et aime-toi. Donc voilà les vierges, j'espère que cette guidance vous parlera et vous mettra un petit peu d'espoir également. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour les guidances du mois de décembre. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.